Bonsoir! Non mais, n'est-ce pas merveilleux? Nous sommes en stream. Ça faisait longtemps? Bonsoir, bonsoir. Je sais pas si tu es encore là, mais bonjour. Bref, on va s'amuser comme des fous. Alors attention, vous n'êtes pas prêts parce qu'il y a la cam aujourd'hui. Donc du coup, voici ma gueule. Bonjour. Enfin mince, je fais non avec le doigt, mais bonjour. Voilà. J'essaie de regarder comme je pouvais, hein. Je vais être honnête. Ah! Taras! Putain! Non! Bon. C'est pas grave. On va pouvoir parler un petit peu du coup pendant cette phase de mise à jour. C'est pas grave. On va pouvoir parler. On va pouvoir se dire des trucs. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. On fait avec les mises à jour, hein. On fait avec. On fait avec les mises à jour. On fait avec. Parce que vous voulez qu'on fasse quoi de plus? À part attendre. Vous voulez qu'on fasse quoi? On peut pas aller plus vite que la mise à jour. Bon. Écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de stream, honnêtement. Je vais être honnête. Ça faisait longtemps. Je sais pas, genre, ça faisait depuis le 29 avril que j'ai pas stream, donc ça fait genre 2 mois que j'ai pas stream presque. Ah, bah. Est-ce que j'ai ma sauvegarde? Non, j'ai pas ma sauvegarde. Encore. J'ai pas encore ma sauvegarde, les frérots. Faut que je download ma sauvegarde. Parce que du coup, j'ai reset ma Switch il y a pas longtemps, donc du coup, j'ai plus ma sauvegarde dessus. J'ai les sauvegardes dans le cloud. Donc, ça va être. Tu pars pour télécharger celle de 3 d'All Star. Hein? J'en ai marre, hein? Ben voilà, ça download. Voilà, il a fini. Voilà, téléchargement terminé. Et ouais, je sais, début de stream, là, il y a un petit remix qui m'est bien, là. Ça fait trop nuit, hein? Donc ouais, c'est parti. On va pouvoir reprendre la progression de la dernière fois. Ouais. À pouvoir reprendre la progression qu'on avait la dernière fois sur Super Mario Galaxy! Voilà, je me sens obligé. J'en profite s'il n'y a personne chez moi après. Donc, les seuls, je peux me faire à la limite défoncer par les voisins à la limite. Bon, j'ai oublié qu'il faut jouer au Giro. Donc du coup, ça t'y part. Hein. C'est quoi cette save? Ça, c'est une save. Pourquoi j'ai cette save? Attendez. Pourquoi j'ai cette merde? Pourquoi j'ai cette merde? Pourquoi j'ai une save avec une étoile? Ah oui, c'est normal, c'est parce qu'en gros je devais faire un défi avec un pote, donc du coup c'est pour ça que j'ai une save avec une étoile. Mais non, c'est pas cette save qui nous intéresse, c'est bien et bien notre save avec la grosse tête de Toad. Où on a 23 étoiles. On s'est arrêté, on avait 23 étoiles. Donc c'est type A, hein. Ah mais attendez, je réalise. Vous avez quasiment pas le son du jeu parce que le son du jeu est très bas chez vous. C'est déjà mieux. Alors Mario, tu me fais pas chier. Par nos bordel Mario. Voilà, non mais. Je sais jouer à Mario Galaxy. Waouh! Alors par contre déjà, je vais aller vérifier là-bas. Parce que je sais pas ce qu'on a comme étoile à récupérer. Le loup manoir. Tu veux me parler s'il te plaît, merci. Oui, tu souhaites voir la carte, voilà, merci. Alors, on est là. C'est où qu'il y a des étoiles à récup? Genre là on en a 4. Là on en a 4. Là on en a 0, c'est normal, c'est le défi de la boule. Ça c'est un truc, j'ai 0 aussi. Ça c'est. J'en ai marre. J'arrive pas à jouer à Morga ici. En plus le curseur là il fait n'importe quoi, ça m'énerve. Mais attendez frérot! Donc là il y en a 0,3. Là il y en a 0 parce que c'est le défi du surf. Là s'il y en a 0 parce que c'est un niveau random.
Là, il y en a 0 parce que c'est un défi. Ça, il y en a 3. Ça, il y en a 2. Et usine de vaisseau. Ah oui, voilà, c'était usine de vaisseau qu'il fallait qu'on fasse. Fallait qu'on fasse usine de vaisseau parce qu'on l'a débloqué la dernière fois. Donc, bah, c'est parti, hein. Faire l'usine de vaisseau. Avec de 1860 fragments d'étoiles au total, hein. Stylé, hein. Ah, oh, bordel, je suis pas avancé. Si c'est la cuisine, ouais, sans blague. J'en ai marre! Arrêtez, Je me sens offensé, là. Je me sens offensé, sinon j'appelle l'Endek. Non, je rigole. Bon. Bref, prenons cette chose-là. Et du coup, il y a Galaxy Fantôme où, en gros, j'avais trouvé. En gros, un viewer m'avait aidé à trouver une étoile cachée. Enfin, c'était pas caché, mais c'était une étoile quand même. Et du coup, en fait, on avait fait la quatrième. En fait, je crois que c'était la quatrième qu'on avait trouvée sur. Ouais, c'était une étoile dans les ténèbres. Du coup, maintenant, il faut faire course, boue, coupe de l'étoile bleue. J'ai peur, hein. J'ai très peur. Honnêtement, ça me rassure pas, hein. Donc. Voilà, faut aller dans l'étoile. Faut aller dans l'étoile, oui. Avec Kirby là. Ah putain, mais dégage, connard. Dégagez, bande de connards de merde. Je vous déteste tous. Je vous déteste tous, bande de connards de merde. Je vous déteste tous. Voilà. Au revoir. Bon. Ben ça, du coup, c'est le caillou de l'étoile qu'on a déjà eu. Donc, du coup, maintenant, il faut aller là-bas. Voilà. Voilà. Du coup, c'est génial. Bon. Alors. Voilà, parce que genre le truc était pas totalement centré. Mais. Donc. Ce fantôme est imbattable. Fais attention. Oh. Ok. Donc je suppose on va devoir faire la course, on va devoir affronter cette merde. Nyeh, toi aussi tu veux l'étoile? Alors fais la course avec moi. Quand tu veux. Mais quand tu veux, frigo! Alors, c'est mardi! Donc, le but de la course, c'est. Non, mais sympa, les gens, de vous connecter pendant que je suis pas là. Laissez-moi comprendre comment. Ok. En gros, c'est juste une course, tu dois choper les grosses merdes là. Et moi, être une grosse merde. C'est juste un truc, tu dois viser les connards de merde. Putain, mais. Ah, mais c'est horrible! C'est chiant comme épreuve! Genre, il faut littéralement. Littéralement, frérot, il faut. Ouais, je suis fait niquer. Je suis fait niquer. Il est
m'est déjà arrivé. Mais oui, normal que j'ai perdu. J'ai mis 3 plombes. Oh non. Retourne t'entraîner sans blague. Eh mais j'ai envie de me tirer une balle en fait, en voyant l'épreuve. Vous savez quoi? Je vais même pas retenter l'épreuve. Je vais même pas retenter l'épreuve. Vous savez pourquoi? Je vais même pas retenter l'épreuve en fait. Je vais juste... Bon par contre, en vrai... Je voulais pas retenter l'épreuve, mais je voulais pas partir en fait. Je vais quand même faire le truc du vaisseau. Comme ça, on débloque une nouvelle galaxie. On va faire l'usine de vaisseau qu'on avait commencé, je crois, la dernière fois en vrai. On n'avait pas eu le temps de le finir. Là, vous savez quoi, on aura tout le temps qu'on veut pour faire l'usine de vaisseau. On aura tout le temps qu'on veut. Donc, il n'y a aucun problème. Genre, littéralement, je le ferai jusqu'à ce que j'y arrive. Mais normalement, je devrais le finir. Mais c'est juste qu'on n'avait pas eu le temps de le finir, en fait. T'es un fils de pute. Moi, je dis, il s'appelle fils de pute. Non mais j'ai tiré trop bas. J'ai tiré trop bas. J'ai tiré. Tu me saoules toi. Hein. Mais attendez. Je sais pas précis. Non ! Non, j'ai tiré à côté ! Punaise ! J'ai tiré à côté ! J'en ai marre, moi. Vous savez quoi ? On va speedrunner le jeu et du coup, on va direct aller dans le trou, là. Hop. Pas très gentil. Punaise. Attendez. J'ai réussi à me rattraper, GG. Attendez, mais... Or. Ding ding, bienvenue à la boutique où pour tant de fragments d'étoiles, je peux te vendre quelque chose d'utile. J'en ai que 25. Donc du coup c'est mort. Hein. Ah bah. Ah bah en fait ils sont trop intelligents, j'avais oublié. Attends, t'as Captain Toad, il me fait chier. Mario, te voilà enfin! Je suis si excité que mon petit cœur aurait sur le point d'exploser!
Ouais, bah j'ai l'impression que ton cœur il va exploser dans le sens littéral. Oh, ce serait rigolo. Du coup, dégainement, il t'en donne assez pour que tu puisses au moins acheter un truc avec. Je suppose. Voilà. Je vais tout défoncer, putain de merde. Du coup, pour... Et ces fragments d'étoiles de mes couilles là. Merci. J'en ai combien? Parce que je les vois pas. En fait, le truc, c'est que je sais pas combien j'en ai, donc je vais lui parler. Ok, j'en ai 55. Je peux te vendre quelque chose d'utile. Merci. One up ou énergie? Je dirais énergie plutôt. N'en oublie pas un seul, ouais, bah. Ça y est, je suis repu, alors c'est parti. Transformation! Fucking champi qui me donne 6 vies au lieu de... Enfin, que... qui fait que j'ai 6 points de vie plutôt que 2. Du coup, à chaque fois, il y a une vie ici, donc en vrai, ça va. Ouais, bah, il y a une vie que je l'ai loupée. Vu que Mario, en fait, il se casse de ce putain de bateau de merde à chaque fois qu'il fonce dedans, eh ben, ça me fait chier. Fait, vu que je vois pas mon nombre de fragments d'étoiles, bah, ça me fait chier. Attends, on peut défoncer la gueule d'un Wiggler. Défoncer la gueule des Wigglers ici. J'adore les Wigglers. Je sais pas ce que vous pensez des Wigglers, mais j'aime bien ça. J'en ai marre. Ding ding, bienvenue à la boutique Luma. Pour 30 fragments d'étoiles, je peux te vendre quelque chose d'utile. Bah, j'en ai 52, sans blague. Qu'est-ce que tu veux? Un champi d'énergie. De l'énergie! De l'énergie, vite, de l'énergie! Ça y est, je suis repu. Alors, c'est parti, transformation! Tout ça pour un fucking champi que je vais reperdre dans 3 secondes parce que je vais tomber dans le vide. Ah, ça déco le téléphone, génial. Le téléphone, il s'est déco! Attendez. Merci. Attendez. On va mettre en pause. Ah putain, si seulement vous savez comment ma cam était calée, hein. Si seulement vous le saviez, vous serez tous choqués à vie. Vous serez tous choqués à vie du fait de savoir que ma cam est calée avec un truc que personne ne possède chez soi. Et le pire, c'est que c'est vrai. Heureusement que vous n'entendez pas les bruits de Windows toutes les 4 secondes. Parce que bordel, c'est chiant.
Heureusement, sérieusement, que vous connaissez, que vous entendez pas tous les 4 secondes les bruits de Windows, parce que... Tu leur sautes dessus, hop là, ça fait des fragments d'étoiles. Ah bah. Du coup, ouais, vu qu'il y a une pièce ici. Hop. Mario, ta mère. Merci. De toute façon, littéralement, si genre ce niveau, je mets trop de temps à le faire, littéralement, on fera que ce niveau dans le stream, parce qu'au bout d'un moment, j'en aurai marre. Hein. Je sais pas, enfin, on verra. Bon, ok, j'en ai 52, bienvenue à la petite Pluma. Échanger. Je veux un champi d'énergie, connard. Du coup, ce qui fait qu'il m'en reste 22. Attendez. Parce que la cam, j'ai l'impression qu'elle est trop haute, par contre. Bah, par contre... Oh, oh, oh. Je dis la cam un peu trop haute, faut pas déconner hein, les mecs. Je fais vraiment avec les moyens du bord pour la cam. En fait, je tombe de manière tellement débile, bordel de merde. Ok. Ok. Oh, Akoba contre Bowser Junior. Oh, ça m'intrigue tout ça. Tu es vraiment coriace, puisque c'est comme ça, je vais m'occuper de ton cas personnellement. Tu veux la grande étoile, alors il faudra me la prendre de force. Alors, je crois qu'il faut du coup prendre les Koopas et lui balancer les carapaces à la gueule. Merde. Mais je sais comment on fait, je crois, le combat. Il faut juste lui balancer les carapaces à la gueule. Putain, mais... Carapace verte. C'est pire que dans Mario Kart, cette merde. Oh, il faut lui. Littéralement, voilà. Putain! Ok. Ok! On lui a mis 3 coups dans la gueule. Du coup, je sais pas s'il faut lui en mettre 3 en plus. Faut faire gaffe. Ok. Dégage, sale merde de fils de pute. Ok. Ok, non mais Bowser Junior, il est coriace, bordel de merde. Ah bah. Ah bah, voilà. On a buté Bowser Junior, les mecs. Et on a la grande étoile. Oui. Bon bah, il m'a pas fallu longtemps avant d'avoir cette putain de grande étoile. Hein. Il m'a pas fallu longtemps. Vraiment, c'était nice. Du coup, c'est la 3e grande étoile, je crois, que j'ai eu. Je sais plus, bref. Je sais que j'ai avancé quand même dans le jeu. Un peu, hein, faut pas déconner, j'ai pas trop avancé non plus, hein, faut pas déconner. J'ai pas avancé des tonnes non plus dans le jeu, mais ça va. Hein. Ça va, franchement, je me débrouille bien, je suis plutôt carré. Franchement, c'est carré. Voilà, voilà, c'est carré, hein. Carré, on a le... C'est quoi, on va augmenter le volume de la carte.
Voilà. Vous avez obtenu une ruine grande d'étoiles. Galaxie complète, nouveau corps. C'est des fragments d'étoiles. Galaxie a été découverte. Ok. Un nouveau chapitre a été ajouté au livre d'histoire. Sans blague, hein. Grâce à toi et tes amis, tous les dômes de l'étage inférieur sont accessibles. De plus, si la selle des machines de l'étage supérieur est réactivée, l'observateur de la comète pourra de nouveau voyager entre les galaxies comme un astronef. Ainsi, nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers où t'attend celle qui t'est chère. On veut sauvegarder. Oui. Je veux sauvegarder, j'ai mis du temps, bordel. Donc maintenant, j'en ai marre. Hein. Ça fait combien de temps qu'on stream? Attendez. Ah, ça fait que 32 minutes. Ah, c'est tout. Ah, par contre, lui, il me parle qu'il a une lettre, donc why not. Tu as reçu une lettre de la princesse Peach. Je prends. Oui, la princesse, elle est gentille. La princesse, elle est gentille. Attends, il se trouve où? Ah oui, voilà, il faut aller là-bas. Hop, allez. Nouvelle galaxie. Sans blague. Jardin venteux. C'est parti. Le jardin venteux, c'est cool. Ça a l'air stylé. Ah, putain. Oh non, me dis pas qu'il faut courir après des lapins quand même, putain. Oh non. Me dis pas que du coup, dans cette galaxie, il faut de nouveau courir après des putains de lapins. J'ai envie de crever, hein. Ne serait-ce pas dans cette galaxie qu'il y a la musique de Gusty Garden? Non, c'est pas Gusty Garden dans cette galaxie, je sais plus. Ah non, je sais plus c'est laquelle. Bah bonjour petit lapin. Attends, mais du coup me dis pas que c'est... Mais c'est dans cette galaxie, il y a quoi déjà? C'est quoi la musique? Je savais pas qu'on pouvait sauter quand on était comme ça. Putain. Tellement conne que je suis pas foutu de comprendre quoi. Alors, c'est très chiant. Nous avons un pouvoir magnifique. Qui est celui de se faire buter par des étoiles? Non, je rigole. Mais je... Mais comment on est censé faire? On est censé faire comment? Mais je suis une grosse merde.
Ouais, mais... Je sais vraiment pas... Si tu veux interrompre ton vol, saute en appuyant sur B. Sans blague, c'est comme si je l'avais pas compris. Ah bah bonsoir, oui, bordel, bonsoir, bah écoute, je vais bien. Bon vas-y, va mourir Mario, voilà. Va mourir. Va mourir. Bonjour Panfait. Non, bordel. Oh bordel. Ah, pourquoi je spam autant le chat? C'était pour tester mon match chatbox en fait, pour voir si j'avais pas des problèmes avec. C'est pour ça que du coup, à un moment donné, j'ai spam mon chat. Parce qu'en gros, bah j'ai dû tester match chatbox. Simplement. Par contre, je sais vraiment pas jouer au manga. Frérot, je suis la seule qui sait pas jouer au jeu. Ah non. Non, mais... En plus... Ok, non, j'ai cru que le pointeur faisait le merde. Merde. Enfin, que le truc, il faisait... Que le curseur, il faisait de la merde. Ça a gagné beaucoup d'étoiles. Bah là, depuis le début, pour l'instant, on en a gagné qu'une parce que je suis un trou de balle et du coup, je sais pas jouer. Je suis un trou de balle et du coup, je sais pas jouer. Et là, je bloque sur cette chose parce que je ne sais pas jouer, bordel. J'en ai marre. Je ne sais pas jouer. Pour de vrai, je ne sais pas jouer. Je ne sais pas jouer. Et j'en ai marre de ne pas savoir jouer. Bordel. Ouais, voilà, le vide. Bien évidemment, tu veux que ça soit sur quoi? Tu voulais que j'y joue comment, mon gars, ici, à part sur Switch, bordel? Tu voulais que j'y joue comment? Tu veux que j'y joue comment au jeu? Tu veux que j'y joue comment, bordel? Je peux y jouer bah, que sur Switch. Parce que émuler, c'est chiant. Enfin, en fait, l'émulation, c'est pas que je suis contre. C'est juste qu'émuler Mangexi, c'est très chiant. Voilà, c'est juste que c'est très chiant. Donc, bah autant y jouer d'une manière un peu plus confortable. Alors, tu veux que j'y joue comment? Sur ma Wii U en fait. Tu veux que j'y joue comment? Avec quel moyen? Tu veux que j'y joue avec quel moyen en fait? C'est une vraie question hein. Tu veux que j'y joue par quel moyen? Ah ok, non mais... En fait... Alors... Sache que j'ai MK Wii dessus, mais pour jouer avec le gamepad. J'ai un hack, enfin genre j'ai mis en sorte à ce que je puisse jouer avec. Parce que sinon je peux juste pas y jouer en fait, je te rappelle. Et non, je ne vais pas te taxer ta Wiimote pour un stream, non. J'ai pas que ça à foutre. Honnêtement, je la taxerai pour ma gueule, pas pour un putain de stream. Si je voulais la taxer, je la taxerais pour moi, ma gueule. Donc oui, il fait ban l'innocente, on sait que t'as MKW dessus, mais c'est un peu le seul jeu Wii auquel je peux jouer sans Wiimote.
Non mais pour de vrai, hein, c'est le seul jeu auquel je peux jouer sans Wiimote. Le seul jeu Wii, et je dis pas Wii U, je dis bien Wii, auquel je peux jouer sans Wiimote. Littéralement. Techniquement, moi, au Galaxy 2, il y a un hack pour y jouer sans Wii, pour y jouer au gamepad, mais comment dire? C'est un poil chiant à installer, un poil. Hein. Vraiment, c'est... Voilà, c'est un poil. C'est un poil chiant à installer. Un poil. Hein. Je vois pas du quoi tu parles. Je vois pas du tout... Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Non, justement, ça serait encore plus chiant parce qu'il faut gérer le pointeur avec le deuxième joystick. Bordel de merde! Genre, il y a deux joysticks, comme sur à peu près toutes les consoles de maintenant. Il y en a deux. Et bordel, avoir deux joysticks, c'est bien. Mais pour diriger un pointeur avec un deuxième joystick, c'est chiant. Voilà, il y a aucune blague, c'est vraiment très chiant. Genre, c'est vraiment le truc le plus chiant de la planète. Mais... Bon, attends. Bon, je me suicide parce que j'ai fait de la merde, mais attends, je crois avoir compris en fait. Oui, bah game over. Sans blague! Voilà. Bon. Oui, c'est bien, je connais les grands titres de Galaxy. Oui, c'est un jeu de 2007. Putain, on se sent vieux, bordel. Allez, dégage. Mais si. Donc, Oula, le pavé. Enfin, il y avait le signe, c'était pas mieux. Non mais en fait, le truc c'est que moi je te parle que dans le jeu, pour déplacer le curseur là que tu vois cette merde là, le curseur bleu de mes couilles, il faut utiliser le deuxième joystick, genre le joystick de droite, pour déplacer le joystick, le curseur que tu vois là. Et c'est très chiant. Genre, c'est tarpin chiant parce que du coup il se remet au milieu et du coup voilà. Tu peux pas faire en sorte parce que voilà. C'est un peu chiant. Genre oui, c'est une habitude à prendre, mais ça reste chiant. Oui, non mais déplacer la cam dans un jeu avec le deuxième joystick, il n'y a aucun problème, ça c'est pas compliqué, on n'est pas... Genre, c'est pas dur ça. C'est pas dur, à moins d'avoir... à moins que j'ai 3 de QI pour savoir le faire, mais... À moins que j'ai 3 de QI, du coup je suis vraiment une grosse teubée, mais non. Genre, c'est pas dur. Parce que je sais que j'ai 3 de QI au fond. Je sais que j'ai 3 de QI au fond. Avoir 3 de QI, c'est cool, hein. Bon, allez, dégage. Avoir compris, mais je suis pas sûre. Attends. Mais voilà! Bordel! Mais voilà! Mais putain, je suis vraiment trop conne! Voilà! C'est comme ça qu'on joue! C'est comme sur Céleste en fait. De quoi? Qu'est-ce qui me parle de Céleste? Je veux comprendre le rapport avec Céleste, please.
Voilà. Alors. Vu que je suis turbo-conne. Mais. Voilà, merci. Il y a un panneau. Attends, quoi? Je sais pas, t'es qui? Frérot. Quand tu tournes avec la fleur, ça ressemble à une mécanique. Je suis putain de céleste, tu montes sur quelque chose. Tu peux lui faire prendre de l'aide, tu te... Ah, stylé. Stylé. Bah moi je dis carré. La plante, tu vas dégager, espèce de trou de balle. Oh. Voilà, vu que je peux juste spam Y. Putain, ça fait peur. J'ai cru qu'il allait tomber dans le vide en récupérant une vie, mais non, ils ont pas été cons. Ils sont pas stupides à ce point-là. C'est le chapitre 9 dont je suis encore bien loin. Sans blague. Voilà. En fait, j'ai mis 3 heures à comprendre comment ça fonctionnait les fleurs là avec lesquelles tu tournoies. J'ai mis 3 heures. J'ai mis 3 plombes à comprendre là parce que ça m'énerve. Mais. Tu peux me laisser récupérer ma vie, s'il te plaît? Enfin, ma pièce? Ah, mais ok, il donnait pas de pièce? Ok, merci. Du coup, j'ai pas de pièce. Attends. Voilà. Merci. J'ai une pièce. Je suis contente. Hop, on spam Y comme un connard. Alors, on spam comme un connard que... Voilà, toi t'es mort. Toi, tu me gonfles. Ah bah, hein. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Putain. J'avais oublié qu'on pouvait pas les buter, ces merdes. Putain, mais... Waouh. Ah, mais je crois qu'on est censé le buter comment? Je sais pas. On est censé le buter d'une manière ou d'une autre. Cassons-nous, en fait. Genre, c'est insupportable. Insupportable de pas... C'est une plante. Attends, mais c'était une plante piranha violette. Eh mais. Ok. Sympa, Maogaxi. Hein. Vraiment, j'adore ce jeu. C'était une plante violette comme dans 3D World. À mon avis, du coup, les plantes violettes. Du coup, les plantes piranha violettes avec des pics sur leur tige, bah, du coup, ça vient de Galaxy, du coup. Tu crois pouvoir m'attraper? Ouais! C'est faux. Je vais me chier dessus. Je vais me chier dessus pour choper un lapin de merde. Oh, je vais me chier dessus.
Je vois rien. Je peux pas bouger la cam. Il est parti où? Je crois qu'il s'est cassé, mais je sais pas où. Je vais le taper, ce lapin! Je déteste les lapins! Putain! Sale merde de lapin, dégage! Sale enculé! Mario de mes couilles! Frérot, on a l'impression que Mario il va à 3 à l'heure! Putain, mais. On a l'impression que Mario il va à 3 à l'heure, putain de merde! Oui, heureusement qu'il n'y a pas de timer d'ailleurs au passage, hein. Je me serais déjà tiré une balle dans la tête. J'aurais déjà abandonné, crois-moi. Hein. J'aurais probablement déjà abandonné parce que je suis tellement une grosse merde que j'aurais jamais réussi à choper ce lapin de merde. Sauf que je réussis toujours pas. Hein. Mais heureusement... Attends, mais dans 3D World, il y avait aussi des lapins à choper. Chatraiser, mais... Ils étaient trois fois moins chiants que ces putains de lapins dans 3D World... Dans Galaxy de mes couilles. Putain, mais Galaxy, t'es vraiment un jeu de fils de pute avec tes lapins. Putain, mais... Mario, il a fait un grand pas des tout, tellement ça me fait. Mais. Comment c'est la suite? Qu'est-ce qu'elle a? Mais. Je ne la défends pas, mais je suis juste en train de me te demander, genre, qu'est-ce qu'elle a fait? Il me fait chier ce lapin de merde. Je déteste les lapins. Chier! J'en ai marre! Ça fait 3 heures que je cours après ce lapin de merde, j'en ai marre, aidez-moi! Putain, Mario, arrête de faire de la merde! Je déteste les lapins dans les jeux vidéo! Je crois que maintenant je vais à jamais détester les lapins dans les jeux vidéo! Hein. Depuis ce... J'ai jamais autant détesté les lapins dans un univers. Lapin, fais chier. Ça me fait chier, en fait, d'utiliser lapin. De devoir choper un lapin de merde. En fait, je pense savoir pourquoi. C'est insupportable. Frérot, c'est insupportable. Frérot, t'es insupportable, j'en ai marre. Hein. Oh.
Insupportable. Insupportable, putain. C'est insupportable. Putain, j'aime autant galérer de ma vie sur un putain. Oui, non mais. Voilà, je remets mon casque pour éviter que mes cheveux me fassent chier. J'avais Jacken dans le mauvais sens. D'ailleurs, on en parle de. Aïe. La cam. Qui putain, si tu savais sur quoi elle était calée, mon dieu. Si tu savais. Dégage cette merde de câble de casque. C'est pas que je t'aime pas, mais je t'aime pas. Donc, où est-ce qu'il est maintenant? Juste comme ça. Juste pour que je puisse le retrouver là, parce que. Où est-ce que t'es, frérot? Ah! Ce sera pas pire que mon. Ça sera pas pire que mon avec une trousse. Attendez. Putain de merde! Laissez-moi mourir en paix! Non mais sache que moi genre je cale ma cam avec le truc que personne possède chez lui parce que il y a seulement 3 personnes dans le monde qui possèdent cet objet. Enfin en fait il y a que 3 personnes dans le monde qui possèdent l'objet, enfin qui le possèdent encore. J'ai envie de câbler à cause de ce truc de merde. J'en ai marre. Non mais c'est pas à cause de toi, hein. C'est juste vraiment à cause du niveau qui me fait câbler. Je vais câbler à cause de ce niveau de merde. Putain. Niveau de merde. J'en ai marre. Ça fait 3 heures que je suis avec ce niveau. Ça fait 3 heures, je peux plus. Enfin ça fait 3 heures, hein, j'exagère mais... Alors... Alors, non, je cale pas la cam avec le gamepad en lui-même, mais avec le support du gamepad, sache-le. Genre le support juste pour le poser. Celui qui sert le charger, il est H24 dessus, donc... il est H24 dessus. Il est H24 dessus, en fait. Attends, donc du coup, il va là-bas. Mais... Lapin de merde. Cordialement, lapin de merde. Je fais comment quand je stream? Ben c'est simple. En fait, ce support, il sert juste à le poser pour faire joli, tu vois. Genre en mode, ouais, il est beau, c'est stylé. Mais c'est tout. Et le support de charge, bah, nique sa mère. Voilà, hein. Genre en soi il sert juste à le poser pour faire joli, c'est même pas genre ça sert à le faire joli, de toute façon. Mais moi je préfère qu'il soit posé que en même temps d'un côté ça a un côté un minimum classe et en même temps bah qu'il puisse charger tu vois. Ça sert à quelque chose. Ça c'est un truc utile tu vois. Mais je sais pas pour rien que du coup il y en a un dont je me sers H36 et l'autre qui me sert qu'une fois tous les 36 du mois. C'est-à-dire le support qui sert à faire joli, bah je m'en sers tous les 36 du mois, et celui pour charger, bah t'as compris. Je m'en sers tout le temps. Puisqu'il est tout le temps posé dessus. Il est tout le temps posé dessus, donc on peut pas faire autrement. Hein. Donc attends. Attends, mais... Est-ce que tu peux arrêter de faire chier, sale lapin? Je vais câbler, hein. Oui! Let's go! Ok, tu m'as eu. Tiens, je te donne ça. Yes! Je l'ai enfin eu!
C'est bon. Merci. Merci du GG, ça fait très plaisir, j'adore ma vie. Vous avez obtenu une super étoile, sans blague. Putain de merde. Ah. Ah bah. Alors, vous savez, moi, c'est des fragments d'étoiles. Vous les sauvegardez. On en parle que vraiment, le jeu, il te demande si tu veux vraiment sauvegarder, alors qu'en fait, bah... On en parle si le jeu, il te demande vraiment si tu veux sauvegarder après que t'aies fini un niveau. On en parle? Vraiment? En vrai, why not, ouais. On goulerait d'après le stream, why not. Comme ça, bah, ça va être cool. Bon, je me suis cassé de son endroit alors qu'il fallait pas. Ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que genre... Bon, après je dis pas que... Attends, jardin venteux. D'ailleurs, du coup, dans les jardins venteux, il y a quoi déjà comme musique? Je sais plus c'est quoi la musique, mais... Je sais plus. Bon, bref. Ok. Bon, en soi, ils disent les lapins, mais en fait, c'est juste parce que dans le niveau, il y avait absolument des lapins partout. Putain, mais encore des délires avec les lapins. Putain, mais laissez les lapins tranquilles. J'en ai marre des lapins. J'en ai marre des lapins. J'en ai marre. Genre, vous savez quoi, à la fin? Dans 3D World, il y en a, genre, pour choper des étoiles, tu dois choper des lapins, mais sauf qu'ils sont trois fois moins chiants. Mais là, ils sont putain de chiants dans Odyssée, putain. J'ai fait dire dans Odyssée, mais... Tout ça pour des putains d'ennemis de merde. J'en ai marre. Putain. Je veux monter! Des fragments d'étoiles. Eh, mais il en restait un. Voilà. Mais ouais, non, mais les lapins, moi je dis le truc le plus détestable dans les jeux vidéo, ça restera les lapins. Hein. Putain, mais Mario, il est trop con ou je suis conne? Je crois, oui, je suis conne. Bon, bah, du coup, go faire un... Pire que Bowser. Bowser, en vrai? Comment ça, tu... Pire que Bowser? Je suis même pas la... notre propre conversation, putain. J'ai même pas suivi notre propre conversation. Genre, j'ai pas suivi. Mario qui est en étoile. Je mets les étoiles dans Mario. Heureusement que c'est... Pire que ceux qui... spam. Non, en vrai, le pire, en vrai, tu dis Bowser, mais Bowser, lui, les combats, ça va, hein. Bon, j'ai fait exprès de foncer dedans parce que j'avais oublié qu'il y avait un putain de truc de merde ici, mais... Mais oui, par contre, les gens qui spam Piqué Fire dans Smash, par contre, ils sont à bannir. Hein. Eux, c'est à bannir, littéralement, hein, parce que spam Piqué Fire dans Smash, mon dieu... Les gens qui spam Piqué Fire dans Smash, par contre, c'est à bannir. Hein.
On est censé le défoncer comment? Ah bah voilà. Fallait juste faire un tourbillon là. Fallait juste voilà, tournoyer. Putain, Mario se BG là. Du coup ce sont pas les plus détestables des jeux vidéo les lapins. Non mais les gens qui spam Piqué Fire dans Smash, c'est pas vraiment dans les jeux en eux-mêmes. C'est genre juste leur comportement qui fait chier. Mais les lapins, c'est vraiment la pire invention de tout le jeu vidéo. Genre Bowser? Ok. Mais tu me fais chier, espèce de merde. Ouais, non, mais oui, ils font ce que leur perso offre, mais bon, du coup, ils connaissent pas ils connaissent pas, en fait, ils utilisent pas le plein potentiel du perso. Levez le pour oui. Oui, sans blague. Sans blague. Pas du tout comme si le mec il était un. Parce que tu crois exploiter une pompe. Non, 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 nous on sait pas. Non, moi en soi non plus, non. En soi, il y a que les joueurs, les gros joueurs qui savent le faire. Il y a que les gros joueurs qui savent le faire, soit d'exploiter le plein potentiel de leur perso. Attends, est-ce qu'il respawn à l'infini ou pas, c'est ce merde? Je sais pas. Ah non, il respawn pas à l'infini, la preuve, il fallait tous les buter pour... Ok, non, je me disais bien. Putain, les formes, elles sont bizarres ici. Par contre, j'aime bien la tronche du truc, j'aime bien. J'aime bien à quoi ça ressemble. Là. Putain, mais... J'aime bien. J'aime bien la forme. C'est pas une forme bizarre, mais c'est juste j'aime bien la forme. En plus, j'aime bien les sphères et tout, genre, stylé. Alors. Bonjour, bonjour, Wiggler, que t'es mort. Moi je dis les Wiggler ils devraient être jouables dans le prochain Mario Kart. Enfin le Wiggler il devrait être jouable dans Mario Kart. Le prochain, genre Mario Kart 7 ça suffit pas tu vois. Genre qu'il soit jouable dans Mario Kart 7 c'est pas suffisant. Pour moi il devrait être jouable dans plus que Mario Kart 7 tu vois. Il mérite plus. Et je dis ça premier degré hein, au cas où je dis ça vraiment premier degré hein. On va me prendre pour une folle mais je dis vraiment ça premier degré. Genre... Ah, on a tous notre problème en fait dans les jeux vidéo finalement. On a tous notre problème dans les jeux vidéo en fait finalement. On a tous notre problème. Non, 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 c'est bon, je jouerai pas à Céleste, c'est bon, stop. Stop avec Céleste, please. Stop avec Céleste, please, parce que je vais péter un câble si tu me parles encore de Céleste. Déjà que je pète à moitié un câble pour des trucs débiles. Yeah.
Oh. Il va vraiment forcer jusqu'au bout avec Undertale, putain! Arrête, please! J'en ai marre! Arrête! En plus, tu me parles d'un fond d'écran, en plus que j'ai changé entre-temps, en plus. C'est marrant. Putain! Il me fait chier avec Céleste, j'en ai marre. Enfin, il me fait chier avec Undertale. Oui, il prend pas l'étoile. Merci Mario. Putain, Mario il avait l'air con. Mais Bah en fait le stream découverte, je crois que c'était parce qu'en gros pendant 3 fois d'affilée je streamais pas une connerie du genre, non. On verra hein, si j'aurai envie de faire quelque chose. Hein. En fait, il faut buter, je crois, ce boss de merde. Ouais, bon, je sais même plus pourquoi en fait tu. Voilà. Et bim! Non mais... Ça va pas, hein? Merde! Non, non, c'est bon, stop. Ça suffira. Hein. J'en ai eu assez. Non, non, j'en ai eu assez, dégage, la con. Le speedrun, c'était sympa, mais bon. Hein, j'aurais pu quand même m'en passer du speedrun. Non merci, c'est grave. Ouais bon hein, on verra sur mes envies. Parce qu'il est plus cinématique. Une cinématique. On verra selon mes envies en vrai. Déjà que stream, je stream très peu en ce moment. Putain, mais... Ah,
Mais ça me fait chier. J'en ai marre. Frérot, le perso il... Enfin attends, what? Voilà, c'est bon, j'ai récupéré une vie, ça c'est cool. Mais putain, on est censé le buter, comment cette merde? Oui, non mais ça je l'avais compris, mais j'y arrive pas, c'est ça me fait chier. Putain. J'arrive les deux premières phases, mais nique ta mère, la troisième fait chier. Même lui, il s'est fait piquer le cul, le champi. Même le champi pour te donner 6 énergies, 3 énergies de plus, il te pique le cul. Putain, mais je fonce dedans parce que... Voilà. Non mais... Ah, tu me chies. Putain, du coup en fait... Hein? Putain. Le boss il m'a toujours fait chier. Hein. Putain mais... Voilà. Ok, bon, bah la troisième phase. La plus chiante, quoi. Hein. Grosso modo, la plus chiante. Grosso modo. Putain, mais... Vu que j'étais trop loin de lui... J'étais à le buter en plus au boss de merde. Mais j'étais à deux doigts, je suis sûr de le buter. Mais oui, mais le truc c'est que je suis sûr, je peux y arriver. En fait, c'est juste que je suis trop loin à chaque fois. J'ai l'impression. Le truc c'est que la Mario il m'a fait chier. Il a pas fait ce que je voulais. Je vais t'enculer ta race Mario. Crois-moi, je vais t'enculer ta race. Mais oui, mais le truc c'est que genre en fait j'avance pas, ça me saoule. Putain mais... Bordel de merde. Il y a une fois j'ai perdu bêtement parce que... Ta mère le boss. Je vais te niquer ta race. C'est quoi là? Ça va être la bonne, hein? Ça va être la bonne. Non mais... Non mais t'es caté. Je vais y arriver, ça va me faire chier, mais je vais y arriver. C'est vraiment la troisième phase la plus chiante, hein. Oui.
Ouais, il m'a fait chier. Hein. Ta mère! En fait, je peux l'avoir juste là, dans la deuxième phase, en fait, je peux l'avoir juste en courant derrière lui. Bon, par contre, je crois que la troisième phase, c'est juste pas possible. Parce qu'il va trop vite. Dans la troisième phase. Ouais, il va trop vite, je crois. Ouais, il va trop vite. Je crois... Je vais mourir bêtement. Hein. Putain, mais à chaque fois qu'il rentre dans le trou, je me... Putain de merde, d'où ça fait des dégâts cette merde? D'où ça fait des dégâts, putain? Mais oui, mais putain, mais en fait j'ai l'impression à chaque fois il est trop loin en fait, ça me saoule. En fait je crois avoir compris mais je suis pas sûre. Hein. Je crois avoir compris mais... Putain. Je réfléchis mais bordel de merde. J'ai l'impression de réfléchir avec les pieds. Et oui, mais j'ai l'impression là de réfléchir juste avec les pieds et pas avec un putain de cerveau en fait. Ouais, en fait, je pense que c'est peut-être la solution. Genre, il faut avancer un peu vers lui après, avant la deuxième charge au sol. Moi, je dis c'est une bonne solution. Ouais, moi, je dis. Ouais, non mais oui. Non mais oui, il faudrait... faudrait faire une charge au sol, une, et après genre avancer un peu vers lui, et après vite en faire une deuxième. Je pense. Putain, il est re-rentré du coup, parce que je lui fais toucher, ta race. Mais putain. Mais putain, il me touche à chaque fois! Oui, non mais putain, ça me saoule! Putain! Et voilà! Putain, voilà, dégage! Sale merde! Allez, une étoile de plus. Allez. On a sauvé un fucking lapin que je déteste, hein. On en parle, j'ai sauvé un lapin que je déteste, que j'ai envie de buter sa race, hein. Putain de merde. Hein? Vous avez trouvé une étoile, oui, sans blague. La galaxie était découverte, sans blague. Sauvegardez, oui. Je veux sauvegarder. Je veux sauvegarder parce que j'en ai marre. Ça fait 1h36, j'en ai marre. C'est bon, allez. Ce stream m'a saoulé. C'était sympa. Du coup, let's go, hein. Putain de merde. C'était sympa. Maintenant, bah, écoutez. Ouais. Let's go. Let's go, let's go. Comment on fait déjà? Parce que... Ça. Comment on fait déjà pour raid une chaîne maintenant que j'y pense?
C'est marrant. Comment on fait? Bon. Mais du coup, en tout cas, le stream était sympa. Voilà, c'était cool. J'ai bien aimé le stream. J'ai bien aimé. Ok, non mais oui, je vois. Non mais je connais. Non mais t'inquiète, je connais. Genre, ouais, genre, faire une vraie phrase. Genre, oui, non mais oui, genre, en gros, ils demandent à leur chat, genre, quand ils raid, après, ils demandent aux viewers d'écrire une phrase en particulier pour montrer comme quoi ils raident une chaîne et tout. J'avais oublié que Mario, il dormait quand tu jouais pas. Non mais merci. Vas-y, ouais, go dire les lapins c'est nul quand on arrive sur son chat. Allez. Let's go! C'est la fin du Stroham. Les lapins, c'est